Salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour une bataille de boules de neige pour un petit délire en session. On est parti, on est steady, on est Mehdi. Donc c'est simple, le dernier qui survivra à tous les jeux qu'on fera, eh bien remportera la partie. Donc le dernier les gars, le dernier, il y aura un seul survivant, vous êtes 17, voilà, ils sont 17 participants et je peux vous dire que il y a pas mal de monde. Alors c'est bon, tout le monde est là, il me semble que tout le monde est là, ouais, tout le monde est là, ok. Eh bien écoutez, on part sur le premier jeu, je vais jeter des boules de neige, celui qui se la prend sur la tête et tombe, eh bien est éliminé, j'ai 9 boules de neige. Allez, c'est parti. Alors, interdiction de faire des roulades. Hein. Ok. Alors, interdit de se cacher, il y en a qui se cachent et tout. Hein. Allez, c'est bon. Okay. Il me reste 4 boules de neige. Il me reste 4 boules de neige. Ah, mais les gars, sortez. Sérieusement. Ok. Un peu de discipline, les gars. Là. Ok. C'est bon. On va passer au prochain jeu. Donc, cette fois-ci, vous allez tous prendre des boules de neige. Ok. Et à mon goût, vous allez faire une bataille de boules de neige du futur. Alors, attention. Regardez bien vos 9 boules de neige. Quand vous êtes à 1, ça sert à rien d'envoyer des boules de neige, sinon vous allez mettre des coups de poing. Et là, c'est éliminatoire. Donc, c'est interdit de frapper les gens uniquement avec des boules de neige. Attention. Ah, bah lui, il est éliminé déjà. Hop. Bah, c'est quelqu'un qui a quitté. Donc, déjà, moins 1, les gars. Je rappelle que vous n'avez pas le droit de dépasser la ligne, les gars. Attention, si vous dépassez la ligne, vous êtes éliminé. Donc, la ligne, c'est ça. C'est en diagonale comme ça. Ok. Attention. Donc, celui qui tombe, encore une fois, par terre est éliminé, donc vous me dites quand quelqu'un est éliminé. 3, 2, 1, go! Bataille des boules de neige, let's go! Wouhou! Ah ouais! Ok, tout le monde se jette des boules, moi je peux en profiter. Oh là là, il y en a un qui est tombé, il y en a un qui est tombé, Nitro Kilos qui est éliminé, malheureusement, il reste plus que 3 boules de neige pour moi. Dès que vous avez plus de boules de neige, vous n'avez pas le droit de recharger. Giuliano qui est éliminé, Giuliano éliminé, et je pense que ça sera tout pour cette manche. C'est fini, stop! Ok. Ok les gars, donc 2 éliminés, vous êtes plus que du coup logiquement 14, 17 moins, non pas 14, vous êtes du coup 3 éliminés, vous êtes plus que 16 les gars normalement, c'est ça? C'est ouais, ça. 16, non attends, ouais. 16, 17, 16 moins 3, ça fait 13, vous êtes plus que 13 les gars, ok, wow. Vous êtes plus que 13, et eh bien écoutez, je vais vous demander à tous de monter au-dessus de ce magnifique camion Ben, et le but étant de ne pas tomber du camion Ben pour le deuxième jeu. Et c'est parti pour le deuxième jeu de cette activité. Le but étant tout simplement de rester au-dessus de ce camion Ben qui va vous faire de magnifiques surprises. Attention, 13 personnes. On a eu déjà 3 éliminés pour le premier jeu. C'est déjà pas mal. Pour les deux premiers jeux plutôt. Mais là, je peux vous dire qu'il va y avoir pas mal d'éliminés. Donc on va rester soft pour le moment. Hein. On va rester soft pour le moment. On va rester plutôt tranquille. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est tombé, je suis pas sûr. Ouais, je constate qu'il y en a certains qui sont. Alors, interdiction de jeter des boules de neige, les gars. Hein. Vous n'avez pas le droit. Hein. Vous n'avez pas le droit de vous frapper, pas le droit de vous pousser. Vous inquiétez pas, je vais m'en charger. Je vais me charger de tout ça. Enfin, du moins, les lampadaires vont se charger de tout ça. Oui, non. Ok, attention. Maï qui tombe. Maï qui est tombé. Non, c'est pas moi. Ok, Maï, elle est tombée. Non. Oh non. Wow, j'en ai eu combien là? Ah ouais, mais attends, mais les gars, j'ai eu 4 personnes, le footballeur qui tombe. J'ai eu 4 personnes, les gars, j'ai eu vraiment 4 personnes. Il en reste plus que 4, attention. Il en reste plus que... Bah, je pense que ça fait beaucoup d'éliminés quand même pour cette manche, les gars. Ça fait beaucoup d'éliminés, attention. Oh la vache. Oh là là, Néo qui est tombé malheureusement. Et nous avons nos 3 survivants, donc on va aller à la plage tranquillement pour le prochain jeu. Donc nos 3 survivants qui sont qui? Du coup Percé, Riders et la pas la salle, alors c'est pas vrai, la salle les gars du coup. Hélas, ok. Ok, vous êtes plus que 3 survivants les gars. 3 survivants, c'est pas mal. C'est sympathique. C'est plutôt tranquille. Disons que il en reste plus que 3. Donc sachant que là, parmi vous 3, il n'y en aura qu'un seul qui va survivre les gars. Un seul. On va tenter des petits risques comme ça, on va y aller là les gars. Tranquillement. Ok, en fait, il y a tout le monde qui nous suit derrière, les gars. À tout moment, ils peuvent vous goumer. Ok. On va se retrouver pour le prochain jeu. A tout de suite. Vous pouvez descendre, messieurs. Vous pouvez descendre. Allez. On se retrouve du coup pour le prochain jeu. Ils sont plus que 3. D'accord. Le jeu est assez simple. Je suis accompagné de mes gardes du corps. Ok. Ce sont tous mes gardes du corps. Vous allez devoir me tuer avec
Le sucre d'orge, ok? Le premier qui me tue, il a le droit d'éliminer bah, la personne qu'il a envie, et ensuite il affrontera bah, la personne qu'il voudra, du coup, pour le coup, en finale, pour le dernier jeu. Eh bien écoutez, c'est parti, vous pouvez venir essayer de me tuer, le premier qui me tue entre vous trois, les autres, vous n'avez pas le droit de me tuer, enfin, vous devez me défendre quand vous devez me coller. C'est collé, ok. Ok, donc je rappelle le premier qui me tue, hein. Avec le sucre d'orge, le sucre d'orge. Ok. Je vais essayer de pas mourir. Il me cavale, les gars. Alors, c'est tous ceux qui ont des. Oh, il y a Riders. Oh, il y a un. C'est pas un nouveau truc, ça? Ouais, c'est un nouveau. Ok. J'ai Bon, per... pas grave. j'ai plus Ah, que. J'ai plus de vie, les gars. Celui qui met un coup, je pense qu'il gagne. J'ai plus trop de vie. J'ai plus trop de vie. bien Ah, joué, Riders. Riders, bien joué, qui m'a eu, les gars. Riders qui m'a eu, bien joué à Ouais. lui. Et attention, du coup, le sucre d'orgue qui a fait une victime. Et Riders, tu Bon. dois éliminer quelqu'un entre Percé et Las. La salle là. Las? Ok. Donc il a choisi Las, les gars. Donc du coup, ça va se jouer entre Riders et, du coup, pour le coup, PRC. Messieurs, vous êtes où? Vous pouvez venir, hein, vous pouvez Bientôt. venir vous deux. Voilà, vous pouvez venir. Effectivement, vous pouvez venir. Ok. C'est bon. Du coup, les gars, on se retrouve pour le dernier petit jeu. Ça va être assez simple, les gars. Vous savez, c'est Noël. Nous aimons Noël. Et voilà, je vais dire, au bout d'un moment, Noël, c'est quoi? C'est le Père Noël, c'est tout. Donc, je vais vous demander un truc. Derrière moi, vous avez pas mal de monde, ok, qui sont là pour vous faire du mal, parce que c'est ma garde du corps. Le premier qui vient déguisé en Père Noël remporte la partie. Donc vous vous mettez la tenue de Père Noël, tout simplement. Voilà, vous mettez celle que vous voulez. Le premier qui vient en Père Noël peut y aller, sachant que les autres peuvent vous empêcher et bah, tout simplement vous tuer. Mais ils n'ont pas le droit d'utiliser d'explosifs ni d'armes à feu. Ils ont le droit de vous tuer uniquement avec des boules de neige et vos poings. Donc c'est parti, vous pouvez y aller. Vous avez le droit d'utiliser vos véhicules, les gars. C'est parti, on peut y aller. On peut les dégommer, les gars. On peut se faire plaisir. Ok, bon, bah j'ai eu percé. J'ai eu direct, les gars. Je l'ai eu. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, bon, faut quelqu'un qui vienne déguisé en Père Noël. De toute façon, c'est le premier qui sera dans le véhicule qui remportera. Sachant que quand vous êtes dans le magasin, vous êtes safe, les gars. Personne ne peut vous frapper dans le magasin. Ah ouais, ils sont en train de les cavaler, les gars. C'est un truc de fou. Rider monte. Bonjour, bonjour. Ouh, attention, Ryder qui se fait aider. Ryder qui se fait aider. Eh bah, bien joué, bien joué, bien joué. Eh, les gars, il y a quelqu'un qui vient d'aider Riders. Bon, je vais voler un véhicule pour les rejoindre. Attendez, hop. C'est bon. On va aller au magasin de vêtements qui se trouve. Bah, ils vont aller à celui-ci, je pense, les gars. Donc, on va aller à celui-ci. Le premier Père Noël, attention, est-ce que Percé va avoir le temps de se déguiser en Père Noël ou pas? Allez, 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 on va te déguiser, allez. Qui va se déguiser en Père Noël? De toute façon, celui qui est dans le magasin, ou Percé qui va mourir encore une fois, Père Noël sera, à mon avis, on va avoir un gagnant. Et ça va être Riders, le seul Père Noël survivant de cette vidéo. Attention, où est-ce qu'il est? C'est pas Père Noël, ça. C'est pas ça, Elle est où, Riders? la beubarde? Il est comment, les gars? Il est habillé avec un pull de Noël. Ah Ah non, ça mais non, c'est mais pas le Raider, Père mais Noël, la les gars, vraie tenue, malheureusement. mais la vraie tenue, Raider. Il y a une vraie tenue de Père Noël. Parce Donc qu'il a t'as le dit que temps, ça l'a t'as le temps rendu avant fou. que Percé gagne. Hein. Personne n'est pas encore en magasin d'ailleurs. Percé, où est-ce qu'il est, les gars, sur la map Percé? Je sais même pas À où il est. l'autre magasin. Il est à l'autre magasin, est-ce qu'il va avoir le temps de se déguiser? Il rentre dedans. Il est rentré dedans. Il est rentré dedans. Ça va jouer avec le temps. Pour l'instant. Percé, Raider. si tu te déguises, tu peux crier. Hein. Et c'est bon! Riders qui a la tenue de Noël, malheureusement. Ça s'est joué à quelques secondes. Bien joué à toi, du coup Riders qui remporte eh bien, le jeu de Noël. Et oui, tu remportes le jeu de Noël. Hey, les gars, il est chaud, il est chaud. Bon, par contre, Il est chaud. c'est vrai que quand même, fallait quand même survivre au Canon Ben. L'épreuve ultime, c'était quand même le Canon Ben. C'était la plus dure, je pense. Et il a survécu. Sur ce, on sait ça dessus. Ciao.